Bonjour, je m'appelle Sylviane Kimbo. Je suis martiniquaise, de parents martiniquais, descendance afrique. Voilà. Alors, la musique, elle a commencé par des concours chantoyol. Donc, le premier en 2022, non, en 2020 d'ailleurs, j'ai eu le premier concours chant créole. Donc, la biguine et la valse, dont j'ai eu le premier prix. Et cette année, en 2023, j'ai eu aussi à participer au concours chant créole. Et j'ai eu le premier prix de la valse et la mazurka. Donc maintenant, il y a tant pis pour moi, parce que Monsieur Alain Marlin, c'est lui l'auteur-compositeur, donc il est en train de justement préparer un clip. Donc ce morceau, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes et les médias. Je vais dire, tout d'abord, j'aime beaucoup tout ce qui se passe chez moi, hein. La biguine, la mazurka, le velay, le tambier. J'aime beaucoup aussi la musique africaine, hein, puisque bien sûr, j'ai toute une mes ancêtres qui étaient des Africains. Je porte un nom africain. Donc, j'aime le zouk. Et puis, bien sûr, tout ce qui est de l'international aussi, parce que c'est de la musique. Bon, tout ce qui est musique, j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup mon influence, c'est plus la musique de chez moi. Et zouk, belé, comme je disais tout à l'heure, mazurka. Alors, bien sûr, alors on va trouver Sibié Bokay, qui est une très belle valse. Vous allez trouver aussi un petit reggae, qui est Un Matin. Il y a aussi le dernier qui est morceau qui est sorti, Tant pis pour nous, qui est un zouk. Et puis, bien sûr, je suis en train d'écrire un livre qui s'intitule Sorti comme vous des Martiniques, qui est un livre qui parle justement de notre histoire, de l'Afrique à la Martinique, et avec aussi d'autres morceaux qu'on va trouver, L'Orbité de Sainte-Belle et bien d'autres titres. Alors, j'écris beaucoup pour les enfants, d'accord? J'écris beaucoup d'histoires. J'aime me raconter, mais toujours pour les petits, de 3 ans à 7, 7, 8 ans. Bon, ça peut aussi intéresser des grands, hein, mais j'écris beaucoup, beaucoup pour les petits. Et je raconte, par exemple, comme je te disais, le livre qui va sortir bientôt, Sorti Congo Rivière Martinique, c'est vraiment notre histoire. J'écris aussi des comptines pour enfants. J'ai beaucoup comment dirais-je, d'images. Donc, quand je vois quelque chose, tout de suite, ça m'envoie à une histoire, à un conte, à une musique. Et je ne cherche pas, ça vient tout seul. La nuit, je dors et des fois, je me réveille et quelque chose vient comme ça. Et ben, je prends mon portable ou mon crayon et j'écris. La famille est très 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 importante pour moi parce que nous sommes une famille très soudée. Trois garçons, trois filles, mais nous sommes très soudés. J'ai aussi deux filles, une qui vit dans l'Hexagone et l'autre avec moi, toujours en études. Donc la famille est très importante pour moi. Très très importante. Eh bien, c'est un matin qui est un petit reggae. Un matin, je me suis levée et dans mon miroir, je me suis regardée. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties de là. Et c'est mon morceau fétiche. Alors, en ce moment, pour mon premier projet, je suis en train d'écrire un morceau sur la femme.
Je ferai un mélange de musique africaine, de sons de voix africaine, avec un mélange de ballet. C'est mon morceau que je suis en train d'écrire et de préparer prochainement. Alors le ballet, c'est une danse en fait, si on regarde bien, parce que les pas, c'est qui viennent d'Afrique. Donc c'est la musique, c'est la danse, c'est la première danse de chez nous en Martinique, qui est jouée avec un tambour qui s'appelle le tambour ballet et le tibois, qu'on tape sur l'arrière du tambour. Et un tambour qui est allongé, avec des chants et ce qu'on appelle des chœurs. Donc en créole on dit des répondeurs. Donc j'aime tout ce qui est la musique de chez moi, qui est le bélair, la biguine, la mazouk, le zouk, qui sont des musiques qui viennent de mes racines africaines. Donc je fais un petit peu d'autres choses, par exemple je chante un petit peu de la variété française et bien d'autres musiques, bien sûr, je chante quelques morceaux de musique africaine aussi. Pour combattre la jambe, nous t'es paré. Alors, je dirais que mes ancêtres, donc qui sont arrivés en Martinique pour être engagés sur les plantations pour travailler pour la coupe de la canne. Et de Séraphin, mon arrière, qui veut dire mon ancêtre, est né mon père. Et mon père, qui s'est marié à une créole, qui porte toujours un nom africain parce qu'il est la 5e génération à avoir épousé une martiniquaise. Donc voilà, je m'appelle Kimbo, qui vient du Congo. Affronter toutes les blabla, tant pis pour nous. Alors moi, j'aurais aimé qu'on se donne la main, se donne la main tous ensemble, pour être unis, pour non pas refaire un monde, mais pour améliorer ce monde et qu'il n'y a pas de distinction entre nous. Que l'amour. Tant pis pour